Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce magnifique jeu, de ce magnifique coffret, La femme sacrée, connaissance et inspiration pour l'âme féminine, qui a été réalisé par Shushan Movsesian et Gemma Summers, qui est édité aux éditions Vega et que vous pouvez trouver au prix de 24,90 €. C'est un coffret tout en douceur. Vous allez voir, il est très. Je trouve que ce jeu est très puissant à travers ses illustrations et en même temps, il a un côté très doux, très apaisant, que j'aime beaucoup, très coloré aussi. On va vraiment naviguer à travers toutes les portes féminines, je trouve, dans ce jeu. Mais en étant pris par la main, en étant accompagné, on se sent vraiment accompagné lorsqu'on utilise ce jeu. Alors, on va travailler sur le féminin sacré. Le féminin sacré représente notre lien complexe à la matrice de la création. Il est le siège de notre essence fondamentale, l'archétype, le modèle le plus intime de notre voyage accompli en tant que femme. C'est à partir de ces facettes, la femme sous toutes ses formes, la jeune femme, la jeune fille, la mère, la reine, l'aïeule, que nous apprenons à explorer notre compétence, notre intuition, notre sagesse. Le féminin sacré représente tout ce qui est sacré en nous lorsque nous nous connectons à notre essence divine. Nous ouvrons la porte à notre sagesse intérieure et à la connaissance profonde. Nous nous ouvrons à cet espace de paix qui est en nous et qui constitue notre véritable nature, notre conscience. Voilà. Donc, d'un point de vue complètement pratique. Vous voyez que c'est un coffret en carton rigide, comme ceci. Il est jaune à l'intérieur, rouge à l'extérieur. Je trouve que ça lui correspond bien parce qu'il a ce côté très vibrant et très vivant justement à travers toutes ces couleurs. On a un livret et ensuite on retrouve les cartes qui sont ici, plus un petit pochon, voilà, qui accompagne cette version du jeu. Alors je mets ça de côté, je vais vous montrer déjà le livret. Donc là on est dans un petit guidebook, dans un petit livret où on a une introduction et ensuite on a justement le message des cartes, plus un petit à propos au sujet des artistes et des auteurs. Voilà, donc on a une introduction sur la femme sacrée, le féminin, l'âme féminine, qu'est-ce qu'une femme sacrée? Voilà, comment recevoir vos cartes, comment les utiliser. Une voix affirmative, je suis. Les messages des cartes sont des affirmations de l'âme exprimées à la première personne. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment justement d'entrer dans l'essence de la carte. Tout de suite, vous vous placez en tant qu'action. Vous n'êtes plus simplement réceptif du message de la carte, mais aussi actif du coup. Vous avez ensuite comment interpréter une carte, comment interpréter trois cartes et comment faire pour tirer des cartes supplémentaires. Donc vous voyez, c'est assez succinct, hein, mais c'est très intéressant. Vous avez ensuite les messages des cartes avec à chaque fois l'illustration, le titre, un petit texte et une affirmation que vous pouvez justement utiliser comme leitmotiv du jour, comme petite méditation du jour aussi. Voilà, donc ça, je trouve ça très intéressant. Et à la fin, hop, vous avez, à propos des auteurs, à propos des artistes, puisque c'est un jeu qui a été coécrit entre Shushan et Gemma. Donc, vous avez d'ailleurs sur le boîtier, hein, uniquement le nom des auteurs et pas le nom de l'auteur et de l'illustratrice, parce que vous avez plusieurs artistes, pardon. Vous avez Tamara Adams avec son descriptif et puis vous pouvez aller voir aussi sur leur site à chaque fois, sur leur Etsy, donc ça c'est très intéressant. Kiernan Antares, je ne sais pas comment ça se prononce. Flora Aube, Mara Behrend Friedman, Ronnie Vicard, Isabelle Breyer, Mara Diop, Anna Dittmann, Laurie Félix, Joyce Huntington, Sylvia G,
Rashmi Tirtha Jyoti, j'espère l'avoir bien prononcé, pardon si ce n'est pas le cas, Alice Masson. Alors, Shiloh Sophia McLeod, c'est une artiste que vous connaissez déjà à travers, je crois, l'Oracle de Marie. Il me semble que c'est elle, justement, qui a réalisé ce très très beau jeu. Tammy Maimoun, Elena Nelson Reid, Claudia Olivos, Marie Olofsdottir, vous voyez, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'illustratrices, hein. Amanda Sage, Isabelle Savignac, Catherine Skax, Wendy Burr-Smith, Yao Summers, Maya Telford, Heather Torres et Jassie Watson. Voilà, donc vous avez de très belles artistes. Et vous retrouvez d'ailleurs à la fin qui a fait quoi. Voilà. Voilà donc pour le livret, on va regarder tout de suite les cartes ensemble. Alors, je vous montre déjà le dos qui est un très joli dos. J'aime bien. C'est sobre, c'est simple, c'est efficace. Voilà, il va très bien justement avec le côté doré, vous voyez, des tranches dorées comme ceci. On a toujours la même qualité de carte avec les éditions Vega, c'est une très bonne qualité, hein. Voilà, donc moi j'apprécie énormément. Je vais pousser un petit peu tout ça pour notre petit ange par là, pour pouvoir vous montrer les cartes deux par deux. Voilà. Donc une réalité fondée sur l'amour pour la première carte. Le renouveau, elle est juste sublime, cette carte-là. Je la trouve absolument magnifique, on dirait un vitrail. Le sourire intérieur. Mon pouvoir créatif. Magnifique aussi. Une beauté sans âge. La confiance en soi. Aimer de l'intérieur, très très belle également. La vérité de l'âme. Le soutien co-créateur. La colère, allié sacré. Le pouvoir du dialogue intérieur. Le cocooning créatif. J'étreins mon corps. Demander ouvre le chemin. Stimuler ma joie. Le flux des relations. Le sanctuaire. Le feu éblouissant. L'amitié. Le pouvoir de l'illumination. Le voyage de l'âme. L'amour de soi sans peur. Le moi infini. Les limites. La reconnaissance. La guérison du cœur. Le silence me nourrit. Le pouvoir de ma voix. Je la trouve très très belle également celle-ci. Dans le flux. Le chemin de la conscience. Vivre la douleur. Je suis un être unique. Le savoir intérieur. La valeur véritable. Le lâcher prise. La loi féminine de l'attraction. Très belle également. Savourer le positif. Écouter mon corps. La princesse charmante.
Le pouvoir du soutien. L'inconnu. Les graines du rêve. Embrasser le changement. Le guide intérieur, magnifique également. Les temps de pause. La patience divine. La grâce. Suivre ma vérité. Voilà, donc je vais tirer trois cartes et on va regarder. Je vous invite à choisir la première, la deuxième ou la troisième carte. Et je vous invite comme ça à voir une petite phrase. Vous accompagner au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, une, deux, puis trois. Je vais vous la mettre là. Pour vous qui avez choisi la première carte, nous avons le silence me nourrit. Le silence me nourrit, il me reconnecte à la puissance de l'instant présent. Pour vous qui avez choisi la deuxième carte, nous avons demander ouvre le chemin. Quand je pose les questions depuis mon être intérieur, je découvre des réponses belles et utiles. Je trouve l'illustration magnifique. Et pour vous qui avez choisi la troisième carte, une très belle illustration également qui l'accompagne, le feu éblouissant. Je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que la découverte de ce jeu vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!